quels sont les risques du barf maison? Pourquoi est-ce que c'est risqué en fait? Alors, il y a plusieurs risques. Le premier est sanitaire, le deuxième est nutritionnel, c'est pas chronologique. Ce sont deux risques bien différents, mais tout à fait identifiés l'un et l'autre. Le risque sanitaire, c'est que, amenant des ingrédients crus, il y a une contamination bactérienne et parasitaire. En particulier avec la viande crue, qu'il s'agisse d'abats ou de muscles, de viande ou de poisson, peut contenir des parasites et des œufs de parasites qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont présents et qui vont pouvoir être neutralisés par la congélation. Donc si on congèle suffisamment longtemps, à moins 20 degrés pendant plusieurs jours, il faut une quinzaine de jours pour tuer les œufs et larves de parasites, on enlève ce risque. Le deuxième risque sanitaire est bactérien. Il peut y avoir des bactéries dans les produits carnés crus qui ne se voient pas non plus à l'œil nu. Et lorsqu'on va congeler, là, on ne va pas détruire les bactéries et donc elles restent présentes. Donc ce risque-là, il est toujours présent. Le seul moyen de s'en débarrasser, c'est une cuisson quelques minutes à 70 degrés à cœur. Et ce risque sanitaire, il est important s'agissant de chiens et de chats, d'animaux de compagnie. Lorsque le chien et le chat vont manger un aliment qui contient des bactéries, il est faux de croire que l'estomac va tuer ces bactéries. Ce n'est pas vrai. Certaines, oui, mais pas toutes. Et en fait, il y a des études pour cela, bien sûr, c'est tout ce que je vous dis là est documenté. Les bactéries vont pouvoir passer dans le tube digestif et ressortir avec les selles, bien sûr, et contaminer l'environnement. Donc c'est le cas des salmonelles, ça peut être le cas des clostridies, toutes ces bactéries qui sont pathogènes pour l'homme. Le chien va pouvoir montrer des signes de maladie ou pas, et parfois il sera simplement ce qu'on appelle porteur sain, c'est-à-dire qu'il ne sera pas du tout malade, mais il aura consommé des aliments contaminés et il va contaminer son environnement. S'agissant d'un animal de compagnie, il est entouré d'humains. Il peut y avoir autour de lui des personnes qui vont être très résistantes et d'autres beaucoup moins, et qui vont être contaminées par ces bactéries et elles être malades, ce qui va pouvoir donner des maladies extrêmement graves. Donc on a des cas actuellement décrits de salmonellose, de tuberculose également, avec des contaminations par des aliments contaminés. Donc c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de courir quand on parle d'animaux de compagnie, de chiens comme de chats. Passant le risque sanitaire, il y a également le risque nutritionnel. Il est assez difficile de faire une ration barf équilibrée qui n'amène pas de défaut, de carence ou d'excès ou de déséquilibre. Les grands risques qu'on observe sur les animaux nourris de cette manière sont des carences en calories, des chiens qui sont nourris au barf mais qui sont très maigres, trop maigres, et c'est particulièrement vrai sur des reproducteurs, des chiennes reproductrices nourries au barf. C'est très courant qu'on ait des animaux éthiques, vraiment très très maigres. Le choix des matières premières est souvent mal conduit et le manque de calcul de l'ensemble de la ration peut conduire à cela. Ça tient au fait que, là encore souvent, la quantité d'aliments recommandée par certains tient en pourcentage du poids. Ce n'est pas une notion suffisante parce que le besoin calorique du chien, le besoin énergétique, varie en fonction de beaucoup de critères. La castration, la sédentarité, l'activité, la croissance, la reproduction et d'autres sont des critères qui doivent être pris en compte dans le calcul d'une ration. S'ils ne le sont pas, on a ce type de problème de poids. L'autre élément qu'on rencontre souvent, ce sont des déséquilibres en minéraux et vitamines et des carences en acides gras essentiels, très courantes dans ces rations. Si, par exemple, on amène trop d'os dans la ration, on va avoir possibilité d'excès en minéraux, calcium et phosphore, et de carences secondaires en oligoéléments, cuivre et zinc par exemple, ce qui va pouvoir donner des troubles cutanés. C'est un exemple qu'on rencontre assez facilement. L'excès de vitamine A et D peut être rencontré si on a ajout d'huile de foie de morue ou de foie en trop grande quantité. Les carences, dans l'autre cas, existent. Et enfin, parfois, les huiles végétales, type huile de colza ou de soja, sont refusées dans ces régimes sous prétexte que le chien étant carnivore, il ne devrait rien manger de végétal. C'est une erreur, puisque là encore, ça va
mener à des carences en acides gras essentiels. L'apport d'huile de poisson amène les acides gras, mais ne les amène pas tous. Et il faut aussi des oméga 6 et oméga 3 qui ne sont pas forcément contenus en quantité suffisante dans l'huile de poisson que l'on trouvera dans l'huile de colza ou de soja. Donc ces régimes BARF sont fréquemment carencés et donc amènent à des déséquilibres nutritionnels.